Bonjour Solène. Donc pour TV sur Erdre, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le problème qui vous occupe ? Bonjour, donc moi je suis Solène Berthelot, en fait je suis à l'origine du collectif parce que le problème c'est vraiment le klaxon du tram-train. Ils nous ont fait un très beau tram-train qui ne fait pas de bruit, mais il klaxonne. Et il ne klaxonne pas en tram, il klaxonne en train. Oui, ça commence à 5h45 le matin, parce qu'il y a un passage à vide, jusqu'à 22h30 le soir, pour l'instant. Oui. Ça doit être 48, je crois, 48 tram-train, mais sachant que nous, on a la voie de remisage, donc il se gare et il ressonne aussi. Donc voilà, c'est énormément de passages et de klaxons. Et il y a également des tram-trains prévus jusqu'à minuit le soir, pour les veilles de jours fériés. Ce qui est très bien, comme ça les gens vont pouvoir sortir sur Nantes, c'est génial. Mais pour nous, ça va être l'horreur. Est-ce que vous êtes renseigné dans d'autres communes? Comment ça se passe? Alors on a été voir à Nort-sur-Erdre, qui sont bien concernés par le tram-train, parce qu'ils traversent la commune, et ils ne klaxonnent pas. Vous avez prévenu les autorités comme Réseau Ferré de France, le département, la région, Jacques-Auxiette peut-être? Alors non, on n'est pas encore, on n'a pas été jusque-là, on est en contact tout le temps avec RFF, on les a toutes les semaines au téléphone. Donc là, on attend une rencontre avec eux et ça parle déjà d'aller bloquer les voies, on n'espère pas aller jusque-là parce qu'on a d'autres choses à faire. Surtout qu'il n'y a pas lieu d'avoir un klaxon comme ça. Dans Sucé-sur-Erdre. Pour vous, il n'y a aucune obligation. Le seul passage à niveau est déjà bien protégé. Alors, sur Sucé-sur-Erdre, il sonne trois fois. Il sonne donc devant chez nous, il sonne de l'autre côté de la gare, et il sonne route de Trélières. Trois coups de klaxon. Voilà, donc il faut savoir qu'il n'y a pas que nous qui sommes embêtés, c'est toute la commune. Enfin, toute la commune, tous ceux qui sont proches de la ligne. Donc c'est vraiment étendu sur les trois passages à niveau de Sucé-sur-Erdre. Voilà donc ce que réclame le collectif Marre du klaxon à Sucé-sur-Erdre. Un passage de tram-train normal et silencieux comme il en existe dans d'autres communes comme ici à Nort-sur-Erdre.